monde, bienvenue à Manitoba! Pour cette première journée à Manitoba, en fait je dirais plus soirée parce qu'on vient d'arriver, on est à Winnipeg. Sauf que à Winnipeg, c'est pas vraiment possible de camper avec la van. Fait qu'on a décidé de faire une petite exception afin de prendre aussi une douche parce que ça fait 7 jours qu'on n'a pas pris de douche. Du moins une vraie douche longue où je peux me laver les cheveux, où je peux faire plus que 1 minute 30. On a décidé d'aller camper au Bird Hill Campground, qui est aussi le parc provincial du même nom. Pour être un petit peu plus fancy puis un peu plus wild, si je peux dire, on a décidé de camper dans notre tente MSR qu'on a achetée pour quand on allait faire des grosses randonnées dans l'ouest. Puis ce soir, on s'est dit, bah, plutôt que dormir dans un van, bah, on va dormir dans notre tente, puis ça va faire changement. Donc là, nous, on se prépare à aller prendre une douche parce qu'on en a vraiment besoin. Puis ce soir, je vous emmène visiter le camping. La misère à partir l'auto, la maison. Pendant toute l'après-midi où l'auto va être au garage, ben, nous on va aller visiter Winnipeg qui nous a pas dit que c'est prêt. Et que les petits aléas de la vie, mais ça nous permet en même temps d'avoir un stationnement gratuit et d'aller passer l'après-midi pour visiter la ville. Ça fonctionne. Fait que la batterie est changée, l'huile est changée, l'auto fonctionne super bien. Fait que techniquement, il devrait plus y avoir de problème. Faut juste faire un petit peu attention. Ça nous a coûté à peu près 300$, mais au moins Arnold va bien, il est guéri, il a été voir le docteur, puis tout est correct. Puis en allant visiter Winnipeg, on a repéré un petit skatepark où on s'est dit qu'on allait aller faire un petit tour. Fait que là on se dirige vers ça, puis on va aller s'amuser un petit peu avec nos skates. Puis après on se dirige vers le Hecla Provincial Park, si j'ai bien prononcé. Puis c'est par là-bas qu'on va dormir. Thank you.
On vient d'arriver au Hecla Provincial Park et la première plage qu'on fait, qui est très jolie, qui s'appelle la Sunset Beach, qu'est-ce qu'on trouve? Des déchets! Genre, on vient de trouver tous ces déchets-là en arrivant, puis je suis sûre qu'on n'a pas fini d'en trouver. Puis ça, c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher. On est dans un endroit naturel, c'est super beau, il y a des animaux qui viennent ici se nourrir, puis on trouve des déchets. Et ça m'énerve au plus profond de moi de voir que les gens pensent que les plages, les ruisseaux, les montagnes, que l'environnement naturel est une poubelle, puis ça l'est pas. Fait que je vous conseille fortement d'amener un sac poubelle avec vous, puis de ramasser vos déchets, parce que pour vrai, c'est chiant, on a une planète qui est en train de mourir, puis on est en train de la gaspiller avec ce genre de déchets-là, puis il y a une poubelle, genre, à l'entrée. Fait quand même pas une minute de marche, on peut aller jeter tous ces déchets là. Fait que pour vrai, prenez soin de la planète, prenez soin de l'environnement, puis ne vous laissez pas traîner quand vous allez quelque part, parce que c'est irrespectueux envers l'environnement, puis envers les personnes qui travaillent fort pour qu'on ait des parcs naturels beaux et propres. Fait que c'était mon petit coup de gueule matinal au Manitoba. Mais sinon le parc est super beau, puis malgré ce petit point négatif, on passe un très beau moment. Riding National Park qui se trouve plus à l'ouest du Manitoba. Puis ce soir, c'est devant ce magnifique lac juste ici, qui est le Clear Lake, si je me souviens bien, où on va passer la nuit. Là, on a Arnold qui est juste ici, qui nous attend sur le chemin pour s'en venir ici. On a traversé le parc, puis on a vu des ours et des biches, et c'était juste full extant et vraiment très incroyable. J'avais jamais vu des ours noirs dans leur environnement naturel. Bien sûr, il ne faut pas s'approcher d'eux, surtout quand il y a des bébés qui arrivent, qui parlent pas. Il ne faut pas non plus les nourrir, c'est super important. Mais si on reste un peu de loin, ça n'enlève pas la magie de la chose. Puis de voir des animaux dans leur environnement naturel, c'est merveilleux. Un beau petit moment magique à vivre. Puis demain, l'aventure continue, parce que c'est ici qu'on passe la journée, avant de se rendre à notre première auberge que nous avons testée de HI Canada, à Roseburn. Et ça va être notre stop pour demain. Puis aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale parce que c'est l'anniversaire de Gabriel. Puis il a 30 ans. Fait que ce qui s'est passé, c'est que je lui ai acheté un énorme fine au chocolat, comme il les aime, et des bougies. Fait que après le souper, je vais venir lui pousser la petite chansonnette pour lui souhaiter bon anniversaire. Puis c'est pas une énorme surprise, mais quand on voyage, c'est déjà beaucoup. Puis ça va être un beau petit moment à faire ensemble. Surtout que c'est son premier anniversaire en voyage. Fait que ça va être très cute à faire. Donc c'est pas mal ça pour ce soir, puis demain une super belle aventure. On est supposé voir des bisons, d'autres ours, d'autres loups, d'autres biches, peut-être des j'en sais rien, plein de choses en fait. Je suis tellement excitée que j'arrive même plus à parler. C'est un endroit qui est merveilleux, puis j'ai vraiment hâte de le découvrir.
parle de la randonnée? Oui, parle-nous de la randonnée. La vue incroyable qu'on a eue. Ben, la fille nous avait dit qu'on avait une vue, genre c'était le point plus haut qu'il y avait sur le mont, puis qu'il y avait supposément une vue sur la prairie. Là, comme... Mais finalement, on est arrivé en haut, puis il n'y avait rien. On a fait un peu le tour, mais on n'a rien trouvé comme point de vue, puis genre l'autre point de vue était comme à 5 km. Là. On a suivi une shot, là, mais c'était assez ordinaire. Puis on se récompense avec quoi? Smoothie! Smoothie! On est en ce moment au HI de Roseburn. On est arrivé il y a une heure, à peu près une ou deux heures. Donc là, on vient de prendre notre douche, on est tout beau, on est tout propre, on est en train de laver notre linge. Ce soir, ça va être une courte vidéo parce que je préfère vous garder le meilleur pour demain. Parce que demain, on passe toute la journée ici, fait que vous allez avoir toute la journée de demain pour visiter le tout et que je vous fasse découvrir le HI de Roseburn. Mais j'ai quand même un petit aperçu à vous donner avant d'aller me coucher et puis de passer ma soirée avec mon chum. Fait que là, vous voyez, c'est le paysage que nous avons derrière notre petite cabane, ce qui est plutôt beau. Fait qu'on voit toutes les prairies du Manitoba, ce qui est magnifique. Le coucher de soleil va être juste parfait. Je vous laisserai bien évidemment assister à ça. Puis là, nous avons notre petite cabanon que je vais vous faire un petit tour visiter, bien évidemment. Habituellement, on peut être plusieurs à être hébergés dedans. Il y a deux chambres. Il y en a une, c'est un dortoir, l'autre, c'est notre chambre. Donc, pour vous faire une petite visite, ici, nous avons le dortoir où on peut héberger à peu près 8 personnes. Puis, de l'autre côté, c'est la chambre où Gab et moi, on va passer la nuit. Fait que c'est assez basique, mais ce qui est plutôt pas mal, je vous dirais. Parfois, le basique est souvent gagnant. Puis ici, nous avons la salle de vie. Fait qu'on a le salon et la cuisine. Fait qu'on a quand même des super belles baies vitrées pour regarder dehors et voir le petit coucher de soleil. On a une belle terrasse aussi où on peut se poser. Et ça fait pas mal le tour de notre petite cabine où nous allons passer la nuit. Donc c'est ici que moi je vous laisse. Puis je vais aller profiter du beau coucher de soleil. Puis demain, on se retrouve pour une petite journée dans la vraie vie du Manitoba, dans un ranch et dans les prairies. We need more than hopes and wishes for us to make it through the night. Stormy weather. This night is over, I will guide you home. Sorrows too. No more clouds, no more rain. I need sun to ease my pain. Before this night is over, I will guide you home. All this time you thought we'd never pay the price.
Notre journée au Edge High de Roseburn se finit aujourd'hui. Demain matin, on va partir très tôt pour aller au Duck Provincial Park, qui est l'endroit où on va finir notre séjour au Manitoba. Puis, de ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était assez relax. On s'est bien reposé. Ce matin, on a pu assister à une activité avec les chevaux du ranch. Fait que c'était vraiment cool. On a pu voir les instructeurs monter, les chevaux se promener un petit peu partout, puis aller voir où ils emmènent les personnes qui viennent en visite faire une petite ride de cheval. Fait que c'était quand même assez sympa. On a fait un petit tour de truck aussi. Fait que ça fait un peu mal aux fesses, mais c'était quand même très très cool. Sinon, quoi dire par rapport à l'auberge? J'avais une agréable surprise. En discutant avec Aisel puis Tom, on s'est rendu compte que la plupart des personnes qui venaient ici étaient juste de passage. Vu que c'est sur le chemin pour traverser tout le Canada, ils font juste s'arrêter une nuit puis partir sans prendre vraiment le temps de découvrir. Et c'est très dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir autour. C'est une place qui est très paisible et très agréable. Puis nous, on a bien aimé notre petite journée ici. Et ce soir, on va apprécier la vue qu'on a devant nous. On va prendre notre petit apéritif, notre melon d'eau, puis relaxer jusqu'à demain. Notre séjour au Manitoba se finit aujourd'hui. On a passé l'après-midi au parc provincial du Duck, qui est tout à l'ouest du Manitoba, un petit peu plus dans le nord. Puis de ce que j'ai vu du Manitoba, honnêtement, il y avait certains coups de cœur, il y en avait d'autres non. Ce que j'ai été très surprise, c'est de voir que la plupart des parcs provinciaux sont délaissés, sont un petit peu à l'abandon. Surtout celui du Éclat qui était le premier qu'on a visité. Puis lui, c'était assez surprenant parce que il n'y avait aucun entretien. Les personnes avaient laissé des déchets partout. Ils s'en foutaient vraiment beaucoup. Il n'y avait pas de patrouille, il n'y avait même pas de centre pour les visiteurs. Fait que l'information n'était pas là non plus. Le Duck, c'était moins pire, il y avait quand même un petit peu plus de vie, mais on sent que l'entretien n'est pas là non plus, fait que j'ai été un petit peu plus surprise de voir que les parcs provinciaux de cette province-là étaient vraiment comme laissés un peu à l'abandon. Par contre, le gros coup de cœur de la province, c'est le parc national du Mont Riding. Moi puis Gab, on a eu un énorme coup de cœur pour ce parc-là, il y avait des ours partout, on a eu la chance de voir un bébé loup. On a vu des petites biches, puis on a vu des bisons. Ils ont été assez durs à trouver parce qu'ils étaient quand même bien cachés. Puis on s'attendait à aller voir un petit peu plus éparpillés dans la prairie, mais finalement il a fallu partir un petit peu plus à la recherche. Mais ce parc-là est magnifique. Ça a été un moment super magique, tellement magique que j'ai même pas filmé autant que je voulais parce que j'étais trop obnubilée par tout ce qui se passait aux alentours. Puis le petit spot où on était pour dormir, c'était super beau, à côté du Clear Lake, c'était vraiment, vraiment cool. Fait que ça a été vraiment un beau petit moment, puis on a fait la fête, l'anniversaire à Gab aussi. Fait que c'est pas mal un bon spot pour faire son anniversaire le soir avec des petites bougies, on va se le dire, plutôt que d'aller au restaurant à Montréal. Fait que c'était assez sympa. Winnipeg aussi, on a été surpris par Winnipeg. Ouais, Winnipeg, cool. Ben, plus le centre-ville, parce que quand on était rentré dans la ville, c'était un peu comme le hashtag de Montréal. Puis, ouais. Un peu trash, mais après ça, le centre-ville, parce qu'on était après. On a dû se poser à cause de l'auto. Ouais, on a eu la petite mésaventure de l'auto. Mais c'est vrai que le centre-ville était super beau.
Il y avait des fresques partout. Moi, ce que j'aimais, c'est le street art de Winnipeg. Et la plupart des fresques étaient faites à partir de la culture autochtone. Fait qu'il y avait tout le temps des reliefs par rapport à ça, puis c'était super beau. Le Fox Market aussi. Ouais, c'était pas mal Market, le Big Spot aussi. Ouais, tout est pas mal centralisé. Tout était là, le parc qui était juste à côté, c'était magnifique. Ouais. Le skatepark. On a pris le temps aussi de se poser, manger. Tout était bon. Puis, c'était que de la nourriture locale en plus. C'était pas comme du fast-food dégueu. C'était vraiment comme. Super bien mangé. Ouais, c'était vraiment une belle petite place, ça a été notre petit coup de cœur aussi dans la ville. Fait qu'on était quand même très surpris de Winnipeg. On n'a pas eu le temps d'aller faire le musée sur les droits de la personne. Mais si vous avez l'occasion d'y aller, c'est super beau aussi. Beaucoup nous avaient parlé du zoo, mais moi je le déconseille fortement parce que nous deux, on est contre les zoos en règle générale. Surtout que celui-ci, la plupart des personnes y vont juste pour prendre une photo avec les ours polaires qui sont littéralement en train de mourir sous vos yeux. Fait que si vous voulez le faire, tant mieux pour vous, mais nous on l'a pas fait, puis ça nous a pas manqué à notre expérience. Mais par contre, le musée, ça aurait pu être quelque chose plutôt sympa à faire. Mais dans la globalité aussi, notre autre coup de cœur qu'on a eu vraiment intensément du Manitoba, ça a été notre séjour au HI de Roseburn. Avec Isel et Tom qui ont été adorables, des hôtes incroyables. Puis le cadre aussi, on a dormi, était magnifique. C'était beau, c'était splendide. On a eu un super bon moment avec les chevaux aussi, de voir la préparation, les chiens, bien évidemment. Ben, un chien. Ils en avaient deux, mais il y en a un, on a eu un énorme coup de cœur pour le chien. La cowboy qui s'occupait des chevaux, elle avait deux chiens aussi qui étaient super magnifiques. Ouais. Ben, c'était passé un bel avant-midi avec les chevaux, les chiens. C'était une belle expérience. C'était vraiment une super belle expérience. Puis je vous recommande encore une fois fortement de ne pas juste passer puis de vous arrêter à cette auberge-là, mais d'y rester pour un minimum de deux nuits, juste pour visiter ce qu'il y a autour. Puis c'est situé à peine à une heure du parc national du Mont Riding. Fait que ça se fait relativement bien. Puis même aux alentours, il y a des petites villes à voir qui sont quand même cute. Puis juste pour l'expérience d'être dans cette auberge-là, ça vaut vraiment la peine. Fait que, en règle générale, Manitoba, ça a été une belle expérience, mis à part pour les parcs provinciaux où on a été un petit peu déçus. Mais c'est ça. Fait que là, nous, on est à quelques kilomètres de passer la frontière Manitoba-Saskatchewan. Puis c'est dans un prochain épisode qu'on se revoit pour parler du Saskatchewan, puis de visiter tout ça ensemble. Fait que si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager, à liker, à envoyer ça à toute votre famille, à vos amis, à tout le monde, à votre chien, à vos chats. Puis moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les voyageurs.